Bonjour euh, dans cette série de vidéos euh, consacrées aux prophéties comme preuve que la Bible vient de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux exemples qui euh, qui ont été prophétisés dans la Bible et que nous pouvons retrouver également dans l'histoire à l'image de l'étonnante prophétie dont nous avons parlé dans notre vidéo précédente concernant le retour des Juifs dans leur patrie, dans leur terre d'origine euh, en 1948. Aujourd'hui donc nous allons parler de deux rois dont la Bible fait mention et qui ont été prophétisés au moins une centaine d'années, voire plus avant que l'événement qui est prophétisé ne se réalise. Et je veux parler donc du roi Josias, d'accord, dont la Bible parle qui était un roi de Juda, et du roi ou de l'empereur perse, Cyrus, dont nous avions parlé également dans notre vidéo précédente. Je, je vais vous montrer deux prophéties qui ont été réalisées exactement telles que la Bible l'a dit. Donc je prends le premier exemple, le roi josias josias il était un roi du royaume de juda vous vous rappelez lorsque salomon est mort le, le royaume d'israël euh, a été divisé en deux royaumes il y a eu le royaume du nord et il y a eu le royaume du sud qui était le royaume de juda donc ce roi josias il était un roi du sud du royaume du sud de juda et il est venu au pouvoir vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et une des particularités de ce roi, c'est qu'il a introduit une réforme spirituelle en s'attaquant aux idoles, en s'attaquant à l'idolâtrie, à l'adoration des dieux païens, des faux dieux que Dieu avait demandé aux Israéliens de rejeter. D'accord Et quand vous lisez... Les chapitres 22 et 23 du deuxième livre des rois, ou bien le chapitre 34 et 35 du deuxième livre des chroniques. Vous avez le récit de ce roi Josias euh, qui a une particularité, qui faisait partie des bons rois, justement, de Juda, parce qu'il y a eu des mauvais rois. Il y a eu des bons rois. Il faisait partie de ces bons rois qui, qui étaient obéissants à Dieu et qui suivaient les commandements de Dieu et donnaient l'exemple en tant que roi pour la nation juive. D'accord Et nous allons lire la prophétie concernant justement Josiah. Je vous rappelle donc qu'il est euh, né vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc il a été au pouvoir vers 600 avant Jésus-Christ. Et euh, il a pris le pouvoir d'ailleurs à un jeune âge alors qu'il avait simplement 8 ans. D'accord Donc, dans, la, dans le premier livre des rois, au chapitre 13, verset 2, ce récit qui est relaté ici date des environs de 900 avant Jésus-Christ. D'accord Et il prophétise concernant ce roi qui va arriver vers 600 avant Jésus-Christ. Donc, près de 300 ans qui a été annoncé et qui s'est réalisé 300 ans après. Donc le verset nous dit, dans la version King James en français, l'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel, selon l'ordre de l'Éternel. Il cria, Autel, Autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra, voilà la prophétie, un fils parmi les descendants de David. D'accord et il donne le nom de cette personne son nom sera Josias. D'accord Donc 300 ans avant la naissance de cet enfant, on savait d'abord qu'il était qu'il sera roi et qu'il sera descendant de David. Donc rappelez-vous que c'est les descendants de David qui pouvaient être roi en Israël. D'accord À la fois dans le royaume du Nord et dans le royaume du Sud. D'accord Et donc il donne le nom de la personne il n'y a que la Bible qui peut fournir ce type d'information de façon précise. Et il dit sur cet hôtel, il égorgera, donc il précise, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums et l'on fera brûler sur toi des ossements humains pour dire qu'il va détruire toutes ces idoles que des rois antérieurs ont autorisées dans le temple en Israël, à Jérusalem en particulier, où il habitait. D'accord Donc deux choses. D'abord, il précise que Josias est son nom et qu'il sera un descendant de David. Et troisièmement, il va détruire toutes ses idoles. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit au début, il a introduit une réforme spirituelle pour un retour à Dieu, pour un retour au texte biblique au respect des commandements de Dieu. Et d'ailleurs, je précise que la réforme spirituelle qu'il a introduite, justement, le prophète Daniel est né durant cette réforme spirituelle. Donc on peut comprendre la ferveur, la piété, la dimension spirituelle que le prophète... Daniel a, lorsqu'il a été déporté en Babylone, vous, vous rappelez donc, en 586 avant Jésus-Christ, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, Daniel faisait partie de ces Juifs qui ont été déportés à Babylone. Et il s'est distingué en Babylone et qui a attiré l'attention de l'empereur babylonien Nabuchodonosor et qui l a élevé en lui donnant justement des responsabilités importantes jusqu'à même être premier ministre en Babylone. Donc ce Daniel-là, il est né et il a grandi dans cette atmosphère de réforme spirituelle introduite par Josias, le roi Josias. Nous allons passer au deuxième exemple de prophéties qui ont été annoncées près de 150 ans avant la naissance de ce roi. Et la particularité ici, c'est un roi païen qui n'est même pas juif, que Dieu a utilisé pour son propre dessein. Et il s'appelle Cyrus, comme je l'ai dit. C'est lui justement qui a renversé l'empire babylonien. En accord avec les Mèdes, ils ont renversé en 539 le puissant empire babylonien de Nabuchodonosor. D'accord Et voilà ce que la Bible nous dit concernant cette personne, Cyrus. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, qui je rappelle a été écrit vers 700 avant Jésus-Christ, au chapitre 44, verset 28 dans la version King James en français. Voilà ce qui est dit. Et je dis de Cyrus. Là, il donne également le nom de Cyrus. Et pourtant, Cyrus va, va naître seulement plus de 100 ans après la prophétie que Isaïe a annoncée. Il dit, c'est mon berger, et il accomplira tout ce que je désire. D'accord C'est Dieu qui parle. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie. D'accord Et il dira du Temple, posez ses fondations. Voilà ce qu'on appelle une prophétie. Rien à voir avec les prédictions de Nostradamus. Il précise d'abord le nom du roi, d'accord, Cyrus. Deuxièmement, il précise qu'il va autoriser le retour des Juifs pour aller rebâtir la ville de Jérusalem qui a été détruite. En plus, pour rebâtir le temple. Et dans le livre de Ezra et le livre de Néhémie, on retrace justement l'histoire du retour des juifs pour reconstruire le temple et pour reconstruire la ville. Exactement tel que Dieu l'a écrit dans sa parole. Voilà ce qui distingue la Bible de tout autre texte sacré. D'accord? Donc ça c'était un roi païen que Dieu a utilisé. Et si nous continuons dans le même livre d'Ésaïe au chapitre 45 maintenant, en lisant le verset 1 à 4, voilà ce qui est dit. Ainsi... Dit l'Éternel à son noir, à Cyrus, donc Cyrus qu'il a utilisé, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Donc, il s'adresse à Cyrus. À cause de, du peuple israélien, la promesse qu'il leur a faite. C'est à cause de ça qu'il a choisi ce Cyrus-là pour reprendre contrôle et autoriser les Juifs à revenir sur leur terre. Il dit Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un rang d'honneur, je t'ai autorisé à être roi sans que tu ne me connaisses. Il n'y a pas encore une prophétie aussi précise. Les païens ne connaissaient pas Dieu. Et pourtant, Dieu peut se servir même d'un païen pour accomplir son dessein. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur de cet univers. Lorsqu'on voit des passages de ce genre, on ne peut que faire confiance à la Bible que c'est la parole de Dieu, que ça vient de Dieu. Encore. Des preuves qui, qui montrent que la Bible ne peut être que la parole de Dieu. Elle est à 100% fiable. Je vais m'arrêter là pour cette présentation. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour reparler d'autres exemples qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Contrairement à, aux prédictions des témoins de Jéhovah, qui sont révélées pour beaucoup d'entre elles fausses, contrairement à aux prédictions qui se trouvent dans le Coran, contrairement aux prédictions qui se trouvent dans le livre des Mormons, contrairement à toute autre prédiction qui se trouve dans les livres des hindous ou tout autre texte sacré. La Bible se distingue de tous ces textes religieux parce que c'est le Dieu créateur de cet univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui parle et qui nous parle à nous êtres humains pour que nous puissions mettre notre foi dans ce qu'il a écrit et que nous tournions notre vie en lui vers son fils Jésus-Christ qu'il a envoyé sur terre pour mourir pour nous, pour nos péchés. Je m'arrête là et puis euh, je, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.